Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoob. On se retrouve avec Katox. Salut Katox! Salut. Et une fois n'est pas coutume, on était en train de faire des trucs à la main, à l'ancienne. Faire de très Et grands trucs. On ça se... attendait de l'uranium. Bah ouais, on s'attendait de l'uranium, on venait de sortir les canons d'artillerie. Et du coup, j'avais des missiles et des obus, mais ça ne servait à rien, on est d'accord. Ce qu'il me fallait, c'était un coffre de demande. Ici. Et puis un petit bras. Et du coup, on demande des obus d'artillerie. Bah du coup, 10 par exemple. J'avais dû faire un truc comme ça sur les autres, non? 10. Si on regarde, c'était où? C'était là? On avait bien Non. 10, je viens de voir ça. Le wagon de carburant, il n'y avait pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on charge de l'artillerie ici. On va en charger là. Il faudra en mettre sur le truc de carburant également. Ça va se faire. Alors, ce que je me disais par contre, c'était que ce truc-là était vraiment pas optimal là pour décharger. Il faudrait faire deux rangées de coffres en fait. Je vois où ça. Le truc pour décharger le cuivre. Ah, tu veux qu'il y ait deux. Ouais, bah ouais, parce que tu vois, du coup, Deux trous. le train attend vachement que les bras puissent vider, alors que s'il y avait deux rangées de coffres, ça serait beaucoup plus efficace. Ok, là, le machin il tire, il annihile un camp direct, ça c'est fait. Allez, on va virer Stylé. ça. On va dupliquer. Alors, il va me falloir du coup des coffres. Tu sais si ça se construit vite les missiles? Les obus d'artillerie, non, c'est assez lent. Franchement, c'est assez lent. Mais bon, ça va. Vu qu'il peut les charger que quand ils sont pas là, ça va quoi. Ça devrait aller Ouais, c'est pas grave. relativement vite quand même. On a 35 uranium 235. Ça se construira plus vite que le. Quand je suis pas inquiet. Ah, ça va. Je fais pas le compte depuis combien d'épisodes je suis tué. Ouais, non, je pense que ouais, c'est vrai que ça a été un peu la teuf ça. Bah, Alors, hop, tu vas voir hop. si je peux pas doubler la production de missiles. Ne sera jamais perdu. Alors du coup, ici il me faut un machin bleu comme ça. Attends là du coup. Ça, il faut du courant, n'est-ce pas? Ah, est-ce que je l'aurais pas laissé en manuel ce train? Oui, tire-toi. Bon, notre canon d'artillerie n'est pas chargé, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que les petits robots, ils vont foutre des obus là, et que quand il reviendra, il aura de quoi faire. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du wagon de pétrole. Du wagon de pierre avant. Je pense que ça va être plus pertinent. C'est bizarre ça. Ça dégage ça. Voilà. Hop, arrête-toi. J'avais complètement zappé que je l'avais mis en manuel, hein, je suis désolé.
Alors est-ce que je vais pouvoir charger alors qu'il est pas droit? Ah, ça c'est une bonne question. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout. On va devoir décaler d'un cran. Alors, l'arrêt de train, il est là. Voilà. Merde, je sais plus comment il s'appelait. De toute façon, il va falloir refaire le truc. C'est où l'avant? C'est là. Ici, le wagon d'artillerie au milieu. Ça, du coup, ça va se décaler un petit peu. Donc toi, du coup, station Pierre, ça s'appelait. C'est parti. Propose pas station Pierre. Du coup, il se recale tout seul, putain, c'est beau. C'est beau la technologie. Il n'y a pas de courant là. Charger le train. Et ici, du coup, on va demander 10 obus. Voilà, parfait. Et si tu repasses en auto, tu t'arraches. Voilà. Là, c'est pareil, éventuellement pour décharger, on pourrait améliorer ça, mais on verra plus tard. Et il va rester le train de pétrole, qui, je pense, aura bien de quoi se faire plaisir aussi, lui. Ah, tu regardes. Ah non, t'améliores la production? Ouais. Ça va se faire, ça va se faire. Ok, si tu veux. Par contre, y a pas un problème avec tes tapis? Pourquoi? Ah oui, non, ça c'est les obus explosifs qui sont là. Oui, pardon, excuse-moi. Et derrière, ils chargent. Oui, exact, je me souviens. C'est vrai qu'il faut des obus explosifs pour fabriquer les obus d'artillerie. Yep, d'ailleurs, il faudra aussi s'occuper de refaire les. Ouais, moi j'étais un peu en mode, bon, on n'a pas besoin non plus d'une production de tarés, mais Wow, c'est pas une production de tarés, Mais oui, t'as raison, on n'a jamais suffisamment de munitions, c'est vrai que. Voilà, c'est tout ce qui fait boom, il en faut beaucoup. Je comprends. Il est où le train? Ah, il est là. Viens ici, s'il te plaît. Pas besoin non plus d'un truc de taré en termes de pétrole. On a des réserves. C'est cool de pouvoir contrôler les trains à distance, là. Oui, c'est vrai que ça aide, mine de rien. Suis pas sur la voie. Non, c'est bon. Manuel, c'est parti. Alors, du coup, le dernier petit wagon d'artillerie, parfait. Il va me falloir un coffre, un bras. Ici, on demande des obus. On en veut 10. Par contre, il va falloir du courant. Il faut obus d'artillerie. Voilà. Amenez-moi des poteaux. On a des poteaux dans le réseau logistique au moins. Ouais, on a des poteaux, ils vont se démerder. Tu sers à quoi toi? Tu sers à faire du soufre et on n'a plus de soufre. Parce qu'on n'a plus de gaz de pétrole. On a plus de gaz de pétrole. Tiens, on est encore plein en. Toi, repassant automatique. Ah, chasse, il faut des explosifs aussi.
Ouais, bah c'est pour ça que je n'en avais pas fait 36 000, hein. C'est chiant. Donc ça va se régler très vite. Ouais, ça travaille plus parce que on a trop de pétrole lourd de nouveau. Bah, de l'autre côté, c'est vrai que le pétrole lourd, ça sert pas forcément des masses. En termes de lubrifiant, de toute façon, on est plein aussi. Bah, on va stocker du pétrole lourd, hein, qu'est-ce que je vous dise, moi. Allez hop, faites-moi des réservoirs. Alors c'est où? C'est par ici, de l'autre côté on n'a pas de place, on est d'accord. Ouais. C'est quoi ce truc là? Bon, après ça reste un pialet tant qu'on n'en consomme pas. On l'a un peu dans l'os quoi. Cela dit, on pourrait aussi à l'inverse. Voilà, donc déjà on va commencer ici et ensuite là, si on voulait sortir du pétrole lourd par exemple, on pourrait le faire par là. Comme ça, on a des tuyaux dans ce circuit là. Ouais, on a des tuyaux, c'est bon. D'ailleurs, on va plutôt atterrir comme ça et derrière. Depuis le début de l'épisode, on est passé à 35 uranium. On était à combien? Voilà. On est passé à 36, on était à 35. Ah. Oh mon dieu, Wow. le 37e sous mes yeux! Wouh! Ouh là 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 là. Plus que 3. Et puis on va pouvoir blinder tous ces. Les réacteurs nucléaires. Je pense que on sera bon. Un peu plus au nord, on a encore 7 millions 7 millions 6 d'uranium si jamais on a besoin. Après, il me faudrait peut-être un petit peu moins de raffinerie et un petit peu plus de. Comment? Usine de produits chimiques à pétrole léger, hein. Appelons ça comme ça. D'approvisionnement d'acier. D'acier. Ah. D'acier. Bah là, je viens de régler le problème de gaz pétrolifère, donc du coup de soufre à Je vais terme. regarder ce qui se passe avec l'acier parce que ça me paraît quand même. Qu'est-ce qu'on a fait qui consomme tant d'acier d'un coup? Est-ce que éventuellement peut-être j'aurais passé le train en mode manuel et j'aurais oublié de le déréactiver? Non. Non, non, parce que l'acier il est en production. Non, on a un problème avec Ah l'acier, on oui. produit pas assez d'acier.
Qu'est-ce qui consomme autant d'acier ? On sait pas où il passe. Bah c'est vrai que... Pourtant là ça fonctionne, ils chauffent à fond, ils fournissent à fond les fours. Alors après on m'a dit dans les commentaires qu'il pouvait être intéressant au bout d'un moment de passer nos fours, si on réglait nos problèmes d'électricité, de passer nos fours en acier Électrique. au four électrique. C'est pour ça que j'ai toujours laissé une case d'écart. Normalement, tu peux quasiment tous les remplacer, mais je sais pas si j'ai prévu assez d'écart au niveau des Bah après... bras robotisés. Parce que si ça. Ouais, je pense pas prévu de laisser des canaux des bras robotisés. De toute façon, au pire, on fait un modèle, on copie-colle, on annule tout, on remet tout. Ouais voilà, de toute façon, comme je disais, c'est pas hyper grave dans le sens où... Comment? Enfin, on n'a pas de problème de charbon quoi. On a des problèmes d'électricité, mais on n'a pas de problème de charbon. Donc, et la pollution, bon, techniquement, voilà, on s'en fout un peu. Oui, et puis. mais c'est surtout au niveau des performances. Est-ce que c'est pas meilleur Bah, en fait, là-dessus, ouais, bah, j'ai eu une discussion justement avec Eragon et Zikino dans les commentaires. En fait, les performances brutes sont les mêmes que le four en acier. Par contre, la différence des fours électriques, c'est que tu peux lui mettre des modules. Ah non, c'est-à-dire qu'il va falloir se préparer aussi si on veut que ça soit utile. Faut préparer une production de modules. Ouais, voilà, faut avoir une production de modules. Faut aussi peut-être. Alors, ils m'ont parlé de quelque chose dans les commentaires, mais sans le nommer, donc parce que j'en avais pas encore utilisé, donc ils voulaient pas me spoil, mais je sais pas exactement quoi. Mais c'est pas impossible que. Enfin, il y a d'autres trucs qu'on peut mettre sur les coffres en acier, sur les fours en acier que je ne connais pas. Je pense qu'il y a aussi le diffuseur de modules qu'on doit pouvoir utiliser. C'est le truc qui diffuse les effets des modules au truc autour. Ouais. Pour peut-être avoir vraiment une production ultra badass. Je sais pas du tout si c'est de ça qu'ils voulaient me parler ou pas, ils me diront éventuellement Quand on l'aura fait. dans les commentaires, voilà, quand on l'aura fait. Mais c'est possible que éventuellement peut-être ce serait ça le truc. Après c'est vrai qu'effectivement, qu'est-ce qui consomme de l'acier? Bah, j'ai bien l'impression que les robots ils tracent pour ramasser dès qu'on en pose un petit peu dans le coffre là. Après, est-ce que c'est une production quelque part? Peut-être les obus, non, les fameux? Qui C'est vrai demandent. qu'on consomme un peu, mais le truc c'est que j'en vois très peu qui arrivent. Bah Je oui, sais mais pas les disons autres. qu'ils consomment. Il faut fabriquer des radars, enfin, qui doivent consommer Le un peu radar est pas d'acier. d'acier. Radar est pas d'acier. Si. Il y a des. Non, il y a des plaques de fer, des circuits électroniques, donc C'est non. la machine d'assemblage ici. Allez, va pas me dire que 4 d'acier pour faire un explosif, c'est beaucoup. Je Puis sais pas où ils partent après, du tout. bah il y avait la fabrication de wagons là d'artillerie, mais normalement voilà c'est bon maintenant qu'on en a fait 10 on va pouvoir s'arrêter. Ce serait peut-être ça du coup, qui bouffe pas mal d'acier, non? Bah ça demandait des moteurs surtout, beaucoup de moteurs. Ah, là on commence à en avoir un petit peu dans le stock. Ah, on a eu un moment sur la ligne où ils ont bouffé de l'acier comme jamais. Pourtant, quand on suit le truc, qu'est-ce qui peut reproduire beaucoup? Ah bah oui, bah en fait c'est des moteurs. Je pense. Bah après c'est vrai que les moteurs on s'en servait pas des masses et là on s'est mis d'un coup à les pomper donc ça joue peut-être hein. Bah là regarde, on est reparti sur je crois un bilan positif en acier presque. Ah non. Ça C'est vrai que là dépendra on n'a de. plus du tout de moteur d'avance. En Du fait ça va côté s'équilibrer, de. on va attendre un petit peu avant d'aller vérifier ça. Mais en plus non même pas parce que de toute façon ma chaîne de moteur en bas elle est basée sur des fours électriques elle et elle a sa propre fabrication d'acier donc ça peut pas être ça qui limite.
contre, du coup, ici, on a une dèche de moteur électrique. Et vu qu'on n'a pas de moteur, fabrique plus de moteur électrique, on consomme plus de lubrifiant, ce qui explique pourquoi c'est un peu la merde. Ici, on va s'arrêter là pour l'instant. Après, il est effectivement probable qu'il nous faille quand même une petite production de modules à un moment. Hein. Oui, je pense qu'on va devoir y passer. Allez, je vais décharger un peu les moteurs que j'ai sur moi là. Voilà. Relancer un peu la production ici. Parce que pour l'instant, on fait pas de potion jaune à cause de ça. Changer. C'est combien ici? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Et du coup, nos trucs d'artillerie ils font des choses ou pas? Bah, je crois qu'il. Petit à petit. Donc lui il est blindé mais il tire pas. Lui il a des munitions mais pour l'instant il tire pas. D'accord, parce qu'il est dans la base ou? Là il est dans la base, ouais. Celui de la pierre il est où? Il est en train de charger. Mais il a pas de munitions. Ah putain, mais oui, mais faut changer ça là aussi. Ah, mais non, mais j'ai un peu. Ouais, bon, je vais m'occuper de ça. En speed. Puisqu'il n'y a pas de robot. Je commence à me demander si des petites voitures ce serait pas cool pour pouvoir se déplacer. Que les voiturettes? Ouais. Les petites voitures, ouais. Parce qu'au final, on en a fait une fois, elles se sont fait défoncer par les mobs et après, on a arrêté, mais. C'est quoi bah, ce. Quand même. Le truc, c'est qu'elles écrasent de toute façon des. Bah, disons que dans l'idée de. Pas forcément de d'attaquer ou quoi que ce soit, mais juste de pouvoir se rendre dans un temps décent au truc autour, quoi. Parce que bon, là, tu veux aller au fer ou à la pierre. Voilà, quoi. Ça prend un petit peu des plombes. C'est pas ces arbres. Allez, est-ce que du coup il va se charger un peu en munitions ici? Ouais, on a quelques munitions, deux obus, ben ça fera le taf. Alors on va regarder si le train de... Parce que normalement le train de... C'est quoi ça? De cuivre? Ouais, il devrait avoir moyen de tirer un peu quand il sera arrivé. On va regarder ça. Ah même plus, tiens. Ah si, ça y est. Il se prépare à tirer, il tire. Il tire sur des trucs. Boum! Ah, et du coup, ça génère des attaques, forcément. Petit à petit, je pense que petit à petit, on aura de moins en moins de bases aux alentours. Ouais, ils vont les faire reculer petit à petit. Ouais. Bon, c'est sûr, hein, avec juste 2-3 munitions à chaque fois, il fait pas encore grand chose, mais ça va s'accumuler. Je suis à peu près confiant que ça va rendre, finir par rendre quelque chose de très intéressant. Allez, ici il faut juste déplacer cet arrêt un peu plus loin. Hop, arrêt de train. Ah putain, on peut pas le mettre sur un truc comme ça, fait chier. La plaie. On va modifier ce foutu rail. Ça tourne pas assez.
Détruisez-moi tout ça, c'est possible ou pas? Merci. Alors peut-être pas le radar. Trottoir. Ok, alors du coup, on refait notre arrêt de train. Donc il faudrait qu'il soit encore plus loin que ça. Voilà, ici c'est bien. On le renommera plus tard. Ça s'est fait au moins. Ça marche ça? Ça marche pas ça? C'est un peu trop à l'arrache, on est d'accord. Je vais bien pouvoir me recoller à un moment à ce petit truc là. C'est pas possible. Voilà, parfait. Bon, ça fait un truc un peu bizarre, je l'accorde, mais c'est pas grave. Des potales, des potales. On les met un peu derrière, qu'ils se fassent protéger. Et alors du coup, on m'a dit que si je faisais ça, oh là là, c'est beau. Donc du coup, pour supprimer les ordres de suppression, des fois que tu te demandes toi aussi un jour comment ça fonctionne. Il faut prendre l'outil de suppression, le bouton rouge là. Et en fait, tu fais la touche majuscule, Shift. Et ça supprime l'ordre de suppression. Pratique. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Alors, faut que je renomme cette station, comment elle s'appelait? La carte. Train, tu es là, parce que ça j'irai pas non plus qu'on perde trop de temps. Pierre 01. Pierre 01. Hop, voilà. Est-ce que du coup il est reparti? Ah, il y a un espace, bordel. Échec. Quoi, toujours pas? Bah oui, wagon vide. Il est vide ton wagon. Allez, go, casse-toi de là. On a besoin de cuivre, pas non plus que la pierre nous paralyse trop. Alors vérifions un peu si le trajet est ok. Tiens, il n'y a pas de courant ici. Attention, ça va faire boum, boum. Boum. Oh là là, c'est beau. Quelle technologie de qualité.
Ok, on a envoyé 3 missiles, ça a rasé la moitié du camp, ça fait toujours plaisir. C'est marrant parce que les missiles du coup font une zone de détection. Alors ils ont un petit radar à l'intérieur de l'obus. Bah, c'est ça, ils ont un petit radar à l'intérieur de l'obus. À l'ancienne. En parlant de ça, du coup, j'ai détruit le radar, mais je ne l'ai pas remis. On va tout de suite corriger ça. Allez me poser ça. Voilà. Et ici, par contre, on n'a pas de robot. On a terminé notre recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Module de vitesse, le réacteur à fusion, une meilleure armure. Ouais, force de freinage, ça pourrait être pas mal. Liquéfaction du charbon. Ouais, bon, c'est pas forcément utile pour l'instant. Allez, les dommages des armes à énergie, c'est pas hyper cher et ça sera toujours utile. Si d'aucuns margueront qu'absolument pas. On va répandre notre circuit logistique jusqu'au truc des pierres, tant qu'à faire. Coupez-moi ça. Ensuite, petit panneau électrique, petit poteau électrique, pardon, ici. Voilà, donc là j'ai coupé l'arrivée de courant, classique. J'ai envie de dire que c'est habituel avec moi. Pour pas changer. Exactement, c'est bizarre, j'avais l'impression que normalement il est pas censé y avoir une petite diode de couleur. Ah, on n'a plus d'électricité, d'accord, c'est pour ça que c'est jaune. Comment se fait-ce ? Ce que je comprends pas. Il n'y a pas une grosse attaque continue de méchants qui... Bah, on a 18 tourelles en contact avec l'ennemi, ouais. J'ai posé deux roboports supplémentaires et c'est ça qui fout la merde à ce point-là? Ouais, quand même. Ah, j'aime ta boucle infinie de machin nucléaire là. Bah, comme ça. Après, je pourrais la stopper, hein. C'est pas ça, mais comme ça, moi je suis sûr que. Allez. Ah, ouais, non, mais je. J'acquiesce. Ah, les robots qui font la file d'attente pour se recharger, quoi. Ah, mais ça y est, du coup, on a suffisamment pour. Oui. Et une fois cool. Que c'est fait, franchement, ça tourne assez assez bien. Genre là, j'en ai déjà 15 supplémentaires. Ouais, je vois ça, ouais. C'est cool. Donc ça fonctionne bien. Et du coup, tu le réinjectes comment dans le bousin ? Je laisse tourner. Je trie juste les quelques déchets en plus. Parce que il produit chaque fois deux de verre, là, enfin de verre foncé. Ouais. Du coup, je les fais trier dans le coffre. Les 238 sont réinjectés dans le circuit et les 235 en fait vont être gardés et en fait ça va boucler jusqu'à ce que le coffre en acier ait suffisamment et en fait tu passes à la main et c'est et de toute façon de l'autre côté il continue à trier donc en théorie. Et parce que je vois pas où est-ce que ça ressort effectivement. Ça ressort pas en fait. C'est ça. Pas de sortie automatisée.
C'est effectivement c'est ça qui m'interrogeait. C'est ce morceau-là que je veux voir. Moi, comment tu vas gérer sans aucun circuit logique les 41? Enfin, les 40 plutôt. Bah, je crois que je vais à terme, quand on aura assez, je vais mettre un bras jaune sur le bord. Genre tout lent. Et en fait, qu'il va pouvoir récupérer que quand le bras vert sera full. Et je vais mettre un coffre avec exclusion. Ah, c'est vrai qu'une fois que c'est lancé, ça se multiplie suffisamment vite pour que ça fasse sens. Ouais. Ah ouais, la vache, on les sent les baisses de courant. Hein. Ah Purée. oui, c'est pas de où, c'est ça le truc. Bah là, les turbines à vapeur ont celles du bout. Enfin, il y en a certaines qui n'ont pas du tout de vapeur. Ouais. C'est bizarre. Hein. C'est normal. Consommation. Alors c'est la pompe qui donne pas assez d'eau, peut-être. Ça a l'air d'aller. Ah non, attends, hop. Et on m'a confirmé dans les commentaires que les ratios de ces vapeurs fabriquées 102, 103, machin et tout là, c'était effectivement les ratios officiels de bah, du nucléaire dans la vraie vie quoi. Super casse-couille. Tac, on bouffe toute l'électricité possible, quoi. Alors attends, j'ai pas vu l'heure, mais il faut qu'on arrête l'épisode là effectivement. Il est suffisamment long. J'étais en train de. J'étais passionné par, par la fabrication de nucléaire. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit message, nous dire ce que vous en pensez. Si on a raté des trucs, si j'ai foiré des choses avec mes wagons, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut!